Oui, bonjour, bienvenue sur l'épisode numéro 332 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à DDR Dance Dance Revolution GB3, qui est sur Game Boy Color. Et on va voir ce que ça nous offrait à l'époque. Donc c'est sorti sûrement en 2001, vu la date qui est marquée en bas. Et puis on va voir ce que ça nous donne. Je vois pas comment on peut jouer à un jeu de danse avec 4 touches alors que la Game Boy elle en a que 2. Ah si, bah si, c'est les flèches, je suis con. C'est les flèches. Par contre, faire deux flèches en même temps, ça va être compliqué. Alors là, c'est une démo, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Comme dans tous les jeux, ils mettaient toujours une petite démo. Pré-start. Et ben, on va voir ça ensemble. Arcade. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Mal aux oreilles. Je vais mettre à 4 le son. 4 sur 100. On va se mettre en basic. Alors ça va jouer bon, bah avec les flèches du coup. Hein. Mon dieu. Les musiques. J'essaie de jouer un rythme en fait. C'est le but de toute façon. Pas facile, hein. Il n'y a pas vraiment de basse, une Game Boy, hein. Et ce qui fait que, en fait, c'est plus visuel qu'autre chose. J'essaie de reconnaître les musiques aussi, par contre, je la connais pas. Par contre, du coup, j'aimerais bien savoir en Maniac ce que ça donne. On commencerait presque à s'y prendre, hein. La musique, juste pour les fans de la musique de ce genre-là. Des fois elles disparaissent et des fois elles disparaissent pas les flèches, vous voyez. Des fois je suis dedans et en fait elles passent comme si je les avais ratées. Elles sont bizarres. Alors bon bah voilà, même y a pas grand chose à suivre quoi. Ok. Second stage, on va le mettre en mode maniaque. Juste pour rire. On va regarder. Allez. Ouh ça va être dur, ça va être dur, je sais pas pourquoi. Oh putain. Oh putain. Pourtant, je suis pas mauvais à ce genre de jeu. C'est juste qu'il y a absolument aucune basse. Hein. C'est juste impossible à jouer. Bon, allez. On repart en mode arcade. Ah putain, je retape la même musique. J'aurais peut-être pas dû me mettre en mode difficile, hein, en mode arcade. Parce que là, je vais me faire la même musique, mais du coup, je vais la mettre en médium. On va voir ce que ça donne. Si c'est jouable. Attention à la double. Avec une Game Boy, c'est pas possible de faire deux touches inverses. Deux touches. Bah, je suis con, mais. C'est pas possible de faire gauche et droite en même temps sur une Game Boy. On s'est fait intuber, y'a un truc qui va pas là, non? Je vois pas comment ils auraient pu faire à l'époque. Enfin, moi je suis sur mon clavier donc ça va, ça passe, mais. Non, les doubles ça passe pas. Ah.
Et on commence à presque la kiffer cette musique. Si là je suis arrivé à enchaîner les deux. Je vois pas. Franchement, vous prenez une Game Boy. Voilà, comme celle que vous voyez. Bon, vous imaginez plus bas. Il n'y a pas les. Enfin, tu peux pas faire gauche et droite en même temps. Ou alors je suis con, hein, mais. Alors, seconde stage, on va le mettre en tricks aussi. On va essayer d'aller. On va essayer de faire la deuxième, de la finir. Et on va essayer aussi de faire la troisième et tout ça. Les musiques, bon, bah, c'est 8 bits, hein. Mais bon. Don't Stop, elle s'appelle celle-là. Peut-être que c'est des vraies musiques, je sais pas. J'arrive pas à reconnaître. Ça doit être l'effet, hein. Ouais, c'est tendu quand même. On retrouve la difficulté qu'on a sur PC quand même. Même si bon là en plus ça correspond rien à voir. Même si tu les fais dans la case. Et ça va. Que je chante, mais j'essaie de me faire des bases dans ma tête. Voilà, j'y suis arrivé jusqu'à la fin sans perdre. Ce qui n'est pas facile. Vas-y, on continue le mode arcade. Final stage. Et là, on va se mettre en mode tricks et je suis pas sûr que j'y arrive parce que putain, il y a un cran supplémentaire. Allez, on prépare ses doigts, ça fait mal aux doigts. J'ai juste mal aux doigts. C'est encore la même musique que tout à l'heure, non? Je me suis fait avoir. J'aurais peut-être pas dû me mettre en mode comme je me suis mis. Ok, super dur. Voilà, donc en fait vous êtes obligé de jouer en moyen et je vois pas comment on peut y arriver. Désolé, j'ai tapé dans mon micro. Voilà. Donc non-stop mode, tiens, on va essayer. Est-ce que j'aurai d'autres musiques? Allons-y. Ah ça c'est bien ça. Notre musique, on a d'autres musiques. On découvre des musiques dégueulasses, c'est bien ça. On n'est jamais à la. Ah, je la connais celle-là. C'est les flèches qui tapent pas de bon endroit, quoi. C'est tout bugué graphiquement, en fait. Hein. Des fois, vous êtes en plein milieu, et ben, elle dit qu'elle est ratée. Oh, 25 combos. Alors, c'est censé être non-stop, donc normalement. Je devrais pas m'arrêter. Et on devrait être encore là demain, à peu près. Cette musique.
Ça, je sais plus, j'avais fait un épisode, oui, j'avais déjà fait un épisode de Trackmania tout court. Oh là là là, mais oui, effectivement. Je crois qu'il y en avait 4 des morceaux. Là ça va, ça concorde un peu avec le... Il y a un rythme. Et dire on s'amusait avec ça à l'époque quand même. Putain, la qualité du son, jouer à ça, c'est un sacrilège de jouer à ça sur une Game Boy quoi. C'est... ouais. Bah ouais, parce que du coup il y avait déjà quand même d'autres consoles, je sais pas si ça existait sur d'autres consoles. En tout cas sur l'époque de Game Boy il y avait déjà des PC, je crois c'est vieux sur PC le DDR. Bon, il y avait les arcades directement, hein, là, sont... Les arcades qui envoyaient vraiment du vrai son avec les vrais tapis de danse. Il y en a qui disaient tiens je vais retrouver l'esprit de Dance Dance Revolution mais sur ma Game Boy quoi. Ça n'a aucun intérêt. On va s'arrêter je crois hein, après cette musique là. Je l'ai fini parce qu'on découvre des musiques. 8 bits, c'est sympa les musiques 8 bits. Même si c'est. Au bout d'un moment quand même ça saoule mais. On n'écoute pas tous les jours. Il danse trop bien le mec aussi. Évidemment la Corée, elle est variée tout ça. Putain j'ai fait de la merde. Miss. Arrête-toi là. Non, arrête-toi là. Arrête-toi là, j'ai dit. Stop. Stop. On peut... Ah oui, bah j'ai juste... Enfin, j'ai juste forcé. Je suis con. Ça, c'est un émulateur. Vous appuyez sur espace. Je sais pas dans les options, j'avais des trucs. Game level. Ah, c'est le son. Free play stage level. Free play touch mode. Je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Dance Dance Revolution GB3. Je sais pas pourquoi GB3. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi ce jeu si vous le faire découvrir. Bon, c'est un désastre musical, un désastre. Dommage. Ah! Putain, je fais que de taper sur le bureau. Dommage pour la licence, là, c'est vraiment un jeu qui sert à rien, quoi. Voilà, voilà. Ah, putain, il y a une démo qui se lance. Ta sœur, la démo, ta sœur. Je me fous de la démo. Et donc, je vous reprends, je vais arrêter. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.